sommes vendredi 8 septembre. Je redémarre doucement parce que j'ai un petit peu mal au dos ce matin, donc je vais chauffer tout ça en douceur. Francis va me rejoindre après. On se rejoindra avec Willy qui viendra à notre rencontre, comme hier, pour déjeuner. Nous avons prévu à peu près 20 km. La première chose que j'ai à faire, c'est d'abord remercier le responsable des services techniques, Sébastien, de la commune de Bréal, le président du club de foot, qui nous ont permis de dormir à l'abri. Quand je dis à l'abri, c'est surtout avoir une douche, avoir les commodités pour pouvoir manger, nous reposer, dormir sans ouvrir la tente. Donc tout est sec ce matin. Et pour être bien reposé. La douche nous a fait énormément de bien, on a même pu laver un petit peu de linge. Je vous dis à tout à l'heure, parce que là, il faut que je regarde où je dois aller. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. J'espère que vous, vous avez bien dormi, et que vous n'avez pas eu trop chaud. Bisous, bisous. Demain, la route va me prendre dans les anneaux de ses détours, qu'elle se décide à me rendre ou qu'elle m'avale pour toujours. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort. Dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Petit rajout à ma vidéo de tout à l'heure. Alors, ce que je voulais faire, c'était remercier tous les abonnés que j'ai, les anciens, mais aussi les nouveaux. Merci à vous tous. Merci pour vos pouces qui fait que ma vidéo est proposée davantage sur YouTube. Merci à vos commentaires qui, quand je les lis, surtout le matin au réveil, me boostent pour la journée, m'aident à avancer. C'est que du bonheur. J'ai l'impression que vous m'envoyez des bouffées de bonheur, de chaleur, des fleurs, des cœurs. C'est du bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Un autre merci aussi, celui-ci est très très important. J'ai eu des dons ces derniers temps, alors je n'aime pas remercier tous les jours. Mais là, cette fois-ci, je tiens à remercier parce que ma cagnotte quand même avance bien malgré tout. Même si parfois je dis que ce n'est pas à la hauteur de ce que l'on fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais merci beaucoup. J'approche les 5000 euros et je suis très très contente. Je ne les ai pas encore, hein, mais ça approche et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous fais à tous des gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, il va faire très chaud encore, mais je préfère ça. C'est fatigant, mais je préfère ça à la pluie. Là, je peux sortir la perche, je peux filmer le paysage, je peux me filmer. Je peux vous parler et les affaires restent sèches, n'est-ce pas, Plume? Oui, eh oui, elle a répondu. Bisous, bisous. Demain, je m'en vais là, m'en fête, vers la patrie de mes amours. Avec un chant de joie en tête. Que je vous raconte hier. Un petit coucou. Hier après-midi, lorsqu'on arrivait à Bréal, il fallait chercher un lieu de bivouac. Donc moi, j'ai l'habitude de faire le tour des bâtiments, tout ça. J'ai vu le gymnase, je me suis dit, tiens, je vais aller faire le tour. Et en faisant le tour, je me suis rendu compte qu'effectivement, les collèges avaient repris les cours.
Et notamment, il y avait des classes qui finissaient leur sport. Ils m'ont vu passer avec le chariot, donc très intéressés, certains qui avaient lu Tour de France à pied, ils sont venus nous poser des questions. La première classe a posé plein de questions sur le Tour de France. Et comme ils doivent faire une course en septembre pour récolter des dons pour une association, je ne sais plus ce que c'est, je sais que c'est Mathieu. Je ne sais plus comment est le début de l'association, mais c'est une association qui œuvre aussi pour les cancers des enfants, pour essayer de lutter contre ces cancers. Donc ils doivent courir au moins 20 minutes pour ça. Et les professeurs, que ce soit la première classe ou l'autre, disaient que bah, ils n'avaient pas trop envie de courir 20 minutes. Je leur ai expliqué que nous 20 km, ça correspondait à peu près à 20 tours, 20 fois ce qu'ils allaient faire, et que lorsqu'ils iraient courir, il faudrait qu'ils pensent à nous, qui marchons plusieurs heures par jour, tous les jours. Enfin, ils ont posé plein de questions. Certains se sont vraiment intéressés au Tour de France, d'autres aux enfants. On a eu des questions aussi par rapport aux enfants. C'était très enrichissant pour nous. J'ai adoré parler avec ces classes de collège. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous en parler. À tout à l'heure. Avec pour vous un chant d'amour, je vous emporte dans mon cœur. Par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Qu'importe demain la distance, si j'ai laissé un peu de moi, peu ou beaucoup, quelle importance. On ne mesure pas son émoi. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte. Devinez, je suis arrêtée un peu. Je prends un moment de fraîcheur. Je suis à l'ombre et ça fait du bien. Il y a un peu d'air en plus, un peu d'air frais. Aujourd'hui, il fait très très chaud. Bisous. Dedans. Mon cœur. Tous ces mots qui de moi s'envolent, demain vous ne les entendrez plus. Les doux oiseaux de nos paroles, s'ils ne se croisent jamais plus, vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Endors-toi. Oui. Demain, quand les étoiles tremblent,
chercher Arcturus. Et nous serons encore ensemble. Si vous pensez un peu à moi. Bonsoir à tous. Hier soir, c'était Michael, le président du club de foot, qui nous autorisait à dormir à l'abri. Ce soir, c'est Abel Cahu, président du club de foot de Sartigny. Ah, ça y est, j'ai mangé le nom de la ville. Donc nous sommes encore sur un terrain de foot. Et voici où nous allons dormir ce soir. Voilà, nous ne sommes pas encore installés parce qu'il est tôt. Il devrait y avoir peut-être des jeunes qui viennent. Enfin, il va y avoir des jeunes qui vont s'entraîner. La douche est prise. On la reprendra certainement un peu plus tard, tellement là, il fait très chaud. Et ce soir, eh bien, il risque d'y avoir peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a une équipe féminine qui a un match amical dans une salle qui se trouve beaucoup plus loin, les vestiaires un peu plus loin. Voilà, les garçons sont partis chercher à manger. J'ai entendu parler de coiffeur, donc bon, Francis va peut-être revenir avec les cheveux coupés. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Ici, il fait très très chaud, mais je m'en contente parce que franchement, je supporte ça bien mieux que la pluie. Dans la journée, c'est tellement plus agréable. Voilà, demain, notre tente sera sèche. Bah, sèche. Alors, bonne soirée, bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Oui, ils sont pas là, donc vous n'aurez pas les bisous des deux compères. À demain. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort. Je vous emporte dans mon cœur.